Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X HD Remaster et quittons ce comptoir dans lequel nous avons passé 3 épisodes et... Oh, hello. No charge this time. Excellent, et prenons un chocobo. Oui, je vous explique comment monter un chocobo. Oui, s'il vous plaît. Alors... Déplacement fond d'écran, gauche de l'écran. Oui, d'accord. Monter, descendre. Monter, descendre, ok. Vous ne pouvez pas sortir de la route de Mihen à dos de Chocobo. Pas de souci. Chocobo vous attendra là où vous l'avez laissé, sauf si vous sortez de la route de Mihen ou vous louez un autre Chocobo. Soyez prudents! Ah, des entraînements de chocobo là-bas. La part des bannisseurs. Oui. Cet arrangement est incroyable. Thank you so much for your words yesterday. Oui. A safe journey to you. Oui, il y a un coffre là. Comment on fait pour avoir le coffre? Comment on saute avec le chocobo? Faut peut-être une compétence, non? Je ne sais pas. Tant pis. Un coffre! 2 potions plus. Nous aussi, on est des bannisseurs. On travaille comme tout le monde. Moi, je m'occupe de ranger les affaires. Moi, j'apporte les repas aux soldats. Tu vois, heureusement qu'on est là. C'est bien, les gars, c'est bien. Bien joué. Gee, Captain Lucille and Elma should have been here by now. Ah, les capitaines. Allons voir par là. Oui. Cette musique. Papa la papa papa papa. Voilà, cet entraînement d'élite. Non, tu ne veux pas. Tu veux pas parler. What si. Are you doing on this road? Oh, you know. I see. The high road ends over there. However, we have sealed off the area beyond for the duration of our operation here. You may ask the gate captain up ahead if you need to pass through. D'accord. On se renseignera, bien entendu. Mais d'abord, regardons s'il n'y a pas un coffre. Quelque chose. Il y a une sphère de sauvegarde ici? Coming down to the old road was a mistake. You can't run a business with no customers. Bah oui. Ah, fais voir ce que t'as. Ah, il vend des trucs. Mais on a déjà acheté des items. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, il faut pouvoir sauter apparemment. Pourquoi il y a une sphère de sauvegarde là? Quelle est cette folie? On va tellement vite. Un coffre! Symbole de Saturne. C'est pour les armes spéciales, ça, non? Attendez, ranger. Auto. Voilà. Objet clé. Symbole de Saturne. Alors, représente Saturne, l'un des 7 astres antiques. Vraiment? On va baisser un peu le son de la musique. On peut pas... Ah, on peut pas. Oui, d'accord. Bon. Très bien. On peut pas choisir le volume. Tant pis. Donc. Oui, les symboles. Il me semble que les symboles des 7 astres, c'est pour avoir les armes ultimes. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est fou de tomber là-dessus.
pa 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 la pa 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 la pa 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 doudou. Cet arrangement est énorme, toute honnêteté. Et une autre sphère de sauvegarde. Ah, les Jean-Jacques méchants. How many times do I have to tell you I'm a summoner? Sorry, ma'am. No exceptions. You dare impede a summoner's pilgrimage? Sorry, ma'am. No exceptions. Useless. Oh, it's you. As you can see, not even summoners can pass. But they'll call on us in the end. Just wait and see. In the meantime, I think I'll have a nap. Bartello. Bartello, con! The Mushroom Rock Road is off limits to non-Crusader personnel until the end of the mission. Ah, chemin des Mycorock. Descendons. Cette musique est magnifique, mais descendons. Pala, pala. Palala. Palala. Gata and Loser reporting, sir. This is the last of them. Good to have you with us. Go on through. Des monstres. Show me how to play Blitz sometime. Wait around. We'll have Sin beaten in no time. Bien sûr. Et le jeu sera terminé. En 4 heures. Pas de soucis. Ah mais on peut passer là. Any donation toward Operation Meehan would be greatly appreciated. Tu veux une donation pour cette opération? Allez, 1000 gilles pour vous les gars. Many thanks. This is for you. Merci. Lance de glace. Kibari, est-ce que tu veux une lance nulle? C'est dégueulasse. Ah oui, c'est percé en fait. Percé, ça fait que on s'en fout de l'armure des gens. Mais Kimari, du coup, est aussi fort qu'Oron, techniquement. Si je reprends mon chocobo. Viens! On s'en va. Ils ont dégagé la route. You have to leave your chocobos here. Oh non! Come on, everyone off. Oh! Monstre! Bon, bah on est reparti à pied. Hey, you're a summoner. Oui. And her guardians, right? Sorry for the inconvenience. C'est pas grave, on comprend. Mais c'est quoi au juste cette opération? What? They didn't tell you? We're bringing Sin Spawn from all over Spira here. Pour la tirer. Sin Spawn inevitably draws Sin, right? Oui. We're going to lure it into a trap. Ingénieux. Personne n'y avait pensé avant. I can't let you pass. Quoi? S'il vous plaît. I'm sorry, I can't let you pass. Allez quoi. Oh, ils ont pas de race. Heureusement c'est moi là. Ah, j'avais oublié le mec qui marche comme ça. J'avais oublié les guano. Les guano. So, we meet again, Lady Yuna. Ah, y'en a bien, y'en a bien. Yes? You look troubled. Is there anything I can do? Well... Seymour, s'il te plaît. Toi qui as un thème... I see. ...tellement rassurant. Maester Seymour, let me show you to the command center. Hold. I have a request. Yes, Your Grace. I need to have Summoner Yuna and her guardians let through to the command center. But Maester Seymour, Maester Seymour, sir. Do not worry. I will take full responsibility. Merci. Very well, they may pass. It is done. Oh, thank you, Your Grace. Ah, oh, mais c'est bien le mot, ça. Il est excellent. Yuna, it's time to go. Oh, right. Who does he think he is? He's a maester.
Better get used to it, yeah? Les maîtres. Alors que la nuit tombe déjà. C'est l'hiver. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci. All hail, Maester Seymour. Brave crusaders of Spira, protectors of all Spira. Believe in the path you have chosen. Let faith be your strength. I, Seymour Guado, Maester of Yevon, will bear witness to your deeds today. Sir! What's going on? Why is Maester Seymour back in the Crusaders, eh? They're using Albed's Machina. They're violating the teachings. Even going against the teachings, they're willing to risk it for the greater good. Waka, I think Maester Seymour sees that too. Lulu! I can only speculate. Eh oui. Ask him yourself. Ah, Sir Auron. It is an honor. I would be most interested in hearing what you've been doing these past 10 years. I've got nothing to say about it. I see. Sir Auron must be a great asset as a guardian. Your Grace! Please, there's no need for formalities. Excuse me, Maester Seymour. Why is your lordship presently present here, sir? Please, speak as you normally would. Isn't this operation against the teachings of Yevon? Aren't you gonna stop them? It's true. I should. However, both the Crusaders and the Albed truly wish peace for Spira. This Operation Meehan was born from that wish they share. Although it may be sacrilege to Yevon, their intentions are pure. And I, Seymour Guado, the person, not the Maester of Yevon, as a denizen of Spira, I wish them well in their endeavor. But using Machina, that's bad, isn't it? Pretend you didn't see them. Beg your pardon, but that's not something a Maester should say. Then pretend I didn't say it. You're kidding. From the first time I laid eyes on him, I never did like Seymour. But you know, some of the things he said that day, they made a lot of sense to me. La route des Mikorok. La route des Mikorok qui est sur le chemin vers le temple de José. Oui, beaucoup de choses qui peuvent se jouer sur cette mission. Seymour qui peut prendre plusieurs positions par rapport à ça, bien entendu. Dans l'idée que la mission pourrait échouer, il pourrait être du type à dire « Voyez comme ils ont échoué. » Mais bon, on voit que c'est quelqu'un qui peut utiliser les convictions du peuple, les manipuler et avoir potentiellement un argumentaire tout à fait noble sur un thème absolument rassurant. Soyez prudents surtout, tenez, ça peut toujours servir. Merci. Les gens sont tellement sympas. Faites attention, il y a des monstres par ici, tenez, ça pourrait vous être utile. Mais ça n'arrête jamais. Excuse me, Lady Summoner Yuna? Yes. The command center. Maester Seymour requests your presence there, ma'am. Thank you. Take that road to the command center. It's not far. We're still in the midst of preparations this way. Sorry. Pas de soucis. Ah non, des monstres! Y'a plein de gardes partout, mais y'a des monstres. Que fait la police? Alors. Je pense qu'on va avoir besoin de Lulu. Foudre. H2O. Pour le flambose de foudre.
C'est un overkill. Ok. Nous sommes en vie. On va prendre Yu-Yu qui va nous faire un anti-feu. Un anti-feu du tonnerre. Et un peu de soin. Elle nous remet bien. Elle nous retape un coup. Focus de la part de l'adversaire. Glacier. À soigner, encore une fois. Non mais c'est pas bientôt fini ces histoires. Allez, encore un glacier, c'est bon. Et nous n'en parlerons plus. Sphère mentale et physique. Attendez, c'est de la part du bannisseur. Deux queues de phénix. Merci beaucoup. Oaka, mon pote. Vous avez l'avantage. Heureusement, vous avez vu ce qu'on combat. Ça a pas la tête. Vouivre, cuirassé. Utilisez les attaques perçantes. Infligez-lui obscurité pour esquiver ses attaques. Ok. Alors... prenons au rond sur la vouivre. Prenons Waka pour infliger cécité. Ça n'a pas marché. Prenons Tidus. Pour booster Waka. Ce sera très bien. Et on va tenter un cécité comme ça. Voilà. Au moins on est sûr que ça marche. Oh, on a même réussi à esquiver l'autre. On va infliger un cécité sur l'autre aussi. Et voilà, on est bon. Faire revenir Kimari pour le dégât. Énorme. Coup critique. Ah, au moins. Oula. Coup critique. Ryuken. On a pris GN. Ok, c'est esquivé. Incroyable. Un combat qui faisait extrêmement peur au début. Finalement, ça va. Deux sphères comp et un bouclier du pèlerin. Qui a des boucliers ? Plus d'HP. Et on a eu des sphères compétences. Profitons-en. Utiliser sphère compétences. Ce sera pour Kimari. Qui apprend les bonnes compétences. Qui font plaisir. Un peu de MP.
et 2 points de précision. Waka qui du coup est toujours bloqué. Ici Auron qui est bloqué aussi maintenant. Tidus. Non ! Non. L'erreur. Un peu plus d'esquive, parce qu'on aime Tidus pour son esquive avant tout. Un peu plus de magie, parce qu'on aime Yuna pour sa magie avant tout. Lulu qui est bloqué. Waka ! Sneak past the guards, I did. On va acheter des objets, pas du tout, de l'équipement. Ah, ils vendent l'équipement au Waka. Ah, ils vendent l'équipement Sheros, ça. Alors, ils vendent un bouclier d'acier, qui est un peu mieux que le bouclier que j'ai actuellement. Ils vendent aussi une bague enchantée. Une coudière blanche. Un anneau enchanté. Des poignées de célérité. Deux, trois petites choses assez intéressantes. On va lui vendre les trucs qui servent à rien. On va rester avec ce qu'on a pour l'heure. Merci Waka. T'es un bon gars. Et on va s'arrêter là. À cette incroyable sphère de sauvegarde. Donc dans cet épisode, on a enfin quitté le comptoir de Rin. Et on a fait le trajet du chemin de Mien vers le chemin des Mycorok. Désormais, devant nous se dresse à la fois un Seymour, on ne sait pas trop, relativement bienveillant, tout de même, en tout cas utile, ça c'est sûr, et des bannisseurs et des Albettes qui préparent une opération de Mien visant à piéger Sin en l'attirant via ses scams. Plutôt dangereux, on attend de voir comment ça va se passer. Prochain épisode, si tout se passe normalement, on ira probablement dans le quartier général de cette opération. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve pour la suite dès que possible, et comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous mieux. Bye.